Bon, eh ben on va voir ce que ça donne au niveau des caps. T'as récupéré un seller de la pub. Alors, on est évidemment. Ça, c'est bon, juste à Théo Hamas, je pense qu'il vient de répandre la haine en espagnol. Comment ça? Go prendre du blé. Ok, c'est parti pour le design des classes. Oh! En vrai, c'est RP d'aller faire un solar avec cette cape-là. Je pense. Pense que c'est RP d'aller faire un solar avec cette cape-là. Petite grillade. Décembre, début décembre, vivement, hein. Pas ouf, hein, la roi singe. Oh, ça me saoule, ça. Hop, alors. Pour la cape Qatar, c'est bien qu'ils aient conservé le rouge de l'autre côté. Pas le cas de toutes les capes. Cape de Goultard, un peu bizarre. Hein. Terne un peu. Terne. Et flou. Un peu flou, hein, les items de manière générale là. Les capes, elles sont un peu floues, je trouve. Lisse et flou à la fois. Ça, c'est vraiment bizarre, ça, pour le coup. Par contre, la cape corbeau noir, je trouve perso que c'est raté. Ça, par contre, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Voilà, un petit problème là sur la découpe de la cape, visiblement. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Hein. C'est vraiment pas beau, hein, les items Twitcher. Pas sur Unity, hein, de manière générale, je veux dire. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Cap du Forban. Ouais, j'ai un frigo dans le dos. Oh, waouh. Je vais vous mettre le perso de face et ici de dos. Elle est pas mal, hein, la cape Brakmar, hein, pour le coup. Elle est pas mal aussi, la Yakitoro. J'aime bien. La Bala. Ouais. Ah, la cape Mulu, elle est pas mal par contre. On l'a en camacap, bizarre un peu. Le sac chronique. La coulée de Garudania. Elle est insanément grande de vue de face. On dirait vraiment une petite coulée de lave. Même fou qu'ils aient réussi à nous faire dire que certains skins soient plus moches sur une éthique 2.0. Alors attention, même s'ils avaient tout réussi, je vous jure qu'il y aurait des joueurs qui trouveraient des trucs plus beaux 2.0 que 1.0. Parce que aussi bien, il y a des joueurs qui trouvent des trucs un plus beau 1.29 que 2.0. On peut pas plaire à tout le monde. Il y a des trucs qui sont certes plus beaux, d'autres qu'on trouve plus moches. Ça sera pas forcément unanime tout le temps. Et quoi qu'il arrive, faudra se réapproprier les skins. Il y a des trucs qui seront plus beaux sur Unity et qui ne l'étaient pas sur 2.0. De toute façon, il y a plein de gens qui aiment pas plein de choses et en Kama ils font les changements. Oh, la cape mauvaise augure, pas trop mal. Bien qu'il y ait un coloris vent sur la flambeur. La cape de Slay, elle est cool vraiment. Maintenant, ça fait très fenard.
Oui, puis la beauté, c'est subjectif, on est d'accord. Ah, alors ça, mon gars, si avec ça, tu deviens pas le roi des pirates? Eh, Sandek. Cap de l'empereur. La cape éclatante, on peut dire qu'ils l'ont éclatée ou pas? Elle est pas mal la cape Eniripsa, j'aime bien. La cape chevalier noire. Je trouve que ça fait très bout de tissu. Pareil ici, j'ai l'impression qu'on est sur du papier. Ça fait très papier. En plus, moi qui adore la marque Corsair, de Quatox. La selle est très jolie, ouais. Il y a un beau skin à faire avec. T'es fait. Alors, tu te fais des camas juste en vendant tes banquets de succès. Alors, parce que ça fait déjà 6 ans si je suis sur le même serveur, vendant effectivement tout ce que j'ai déjà dit. J'ai fait aussi 30 runs songe, donc tu peux faire rapidement le calcul si tu veux. Sinon, bah, j'ai aussi 20 000 points de succès et quelques. Puis en autant de temps d'existence, j'ai aussi des personnes qui ont arrêté de jouer, qui parfois m'ont donné leur stuff. Il y a beaucoup de choses hein, à prendre en compte. 6 ans de jeu, ça se retrace pas aussi facilement. Les camas s'accumulent et je déteste dépenser. Elle est pas mal la cape de Camilou. Les songes, tu peux les faire en solo avec ta propre team, oui. Mais les songes, c'est un contenu pour des personnes niveau 200. 199-200 peut-être, mais 200 quand même. Opti. Un minimum. Si c'est pas opti dans la compo, c'est opti dans le stuff quoi qu'il arrive. Bon, pour moi, la cape Hercule, c'est pas raté. Je suis content. La Selene est très jolie. Bon, la Shiraja, par contre, ça va plus du tout. Désolé, hein, mais... Kraboul. La cape d'or. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a donné envie de me défenestrer. Ah, si, ça y est, ça commence. Purée, il fallait que je l'invoque. J'en suis où? Ouah, j'en étais où? Ah, c'est bon, je suis là. Ouais, c'est vrai qu'elle était immonde. Ouais. Ah, pour le coup, c'est réussi pour la capillosité. Ulgrud, toujours pas ouf. Hein. Ah, Silhouette, on arrive sur la fin. Brumaire, oula, Brumaire, pas ouf. Ah, c'est mieux. La cape divine, super sympa. Capo Camille, par contre. Oh, Tinom, vous ici? Mais non.